Bonjour, bonjour. Bonjour Céliane. Bonjour Françoise. Bonjour Christine. À la vôtre. Je donne un peu de dynamisme. Ça va, je suis fatiguée, mais ça va. Et vous, comment allez-vous? Bonjour Sylvie, bonjour Joël. Bonjour Véro. Les chiens vont bien, merci. Bonjour Chris. Ça va? Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Sandrine. Je ne reste pas l'introduction car je dois emmener ma fille chez le dentiste. Il n'y a pas de problème, Chris. Bon courage pour le dentiste. Elle était très bonne la tortilla, Joël. Merci. Bonjour, Bénédicte. Bonjour, les divines. Bonjour, Laure. Ça va bien, merci. Bonjour Tracy. Je vais bien, merci. Bon, on est 32. Bonjour Isa de La Réunion. Bonjour Sylvie. Bon, on va commencer. Bonjour Angélique. Elle était très bonne, ma tortilla. Ah ben moi non plus, je ne l'ai pas trouvé, Chris, hein, je te rassure. Bonjour Nicole. Bonjour Julien. Je n'ai pas trouvé, hein, là. Bonjour Henriette, ça va bien? Bon, allez, pendant que les gens commencent à arriver. Alors, on travaille dans l'Ultra Pro. Bonjour Stéphanie, ben bienvenue. Ça va, ça s'est bien passé ta journée? Bonjour Ramata. Oui, Julien est le seul homme, oui. Stéphanie, t'as mis une recette de tarte au sucre, on la trouve pas.
Chris a cherché. Et Chris le dit aussi, Chris a cherché, moi je ne l'ai pas trouvé non plus. Bonjour Nicole. Ah, bonjour Chantal. Patricia Soro l'a pas trouvé non plus. Bonjour Sylvie Dégoutte. Bonjour Sylvie. Bon, allez, on commence la recette. Vous êtes prêts? Gratin de ravioles aux courgettes. Vous m'écoutez? Tout le monde est grand oui? Tout le monde est grand oui? Alors, on travaille avec le... Ah, tu as déjà fait? On travaille avec l'Ultra Pro, 3,5 litres. Alors, il y a une surprise. Il me semble que c'est pour les hôtesses au mois de juin. Le 3,5 litres, si vous ne l'avez pas encore, il va être à un prix défiant toute concurrence en juin. Il me semble que c'est pour les hôtesses. Alors... Dans le fond, j'ai commencé à mettre avec mon spiraliseur des courgettes. Merci Joël. Alors l'Ultra Pro, c'est ça. C'est du polyéthylène, c'est-à-dire que c'est un produit qui est entre le plastique et le verre. C'est-à-dire que si vous le faites tomber, ça va casser, contrairement aux autres Tupperware. C'est un produit qui va de moins 25, c'est-à-dire au congélateur, à plus de 150. Il est composé d'une base et d'un couvercle. Alors vous avez le 3,5 litres et le 2 litres qui ont le même couvercle. Et après vous avez le 4,4 litres et le 5 litres et qui ont aussi le même couvercle. Alors si vous avez des petits fours, il est recommandé de ne pas mettre sur le grill. Parce que ça peut abîmer en haut et que ça touche pas les parois, en fait. Vous mettez en four normal, ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous en servir comme ça, et le couvercle, vous pouvez le retourner et faire quelque chose dedans. Hein. Ok? Alors, attendez, je vais ouvrir à mes chiens parce que c'est le souk là-bas et ça va me prendre la tête. Alors, cet Ultra Pro, il existe en 5 litres. Il sera en promo aussi au mois de juin. Et 3,5 litres, il sera à 39,90 je crois, pour les hôtesses en juin. Donc, c'est super ceux qui ne l'ont pas. Donc, j'ai mis un peu de courgettes. Si je les ai, mais je ne peux pas vous les mettre parce que je n'arrive pas à les mettre sur... ils sont en PDF. Mais je vais aller vous les chercher après parce que je les ai reçus en papier. Je vous les montrerai. Donc j'ai mis mes oignons. J'ai mis mes oignons coupés sous les courgettes. J'ai mis un peu de courgettes. Je mets mes lardons. C'est une recette encore très rapide celle-là. Hein. Alors normalement c'est des ravioles de je sais pas trop quoi. Mais moi j'ai pris tout bêtement des raviolis. Hein. Je ne me suis pas pris la tête.
Donc je mets mes petits raviolis. Voilà. Après, je reprends mon spiraliseur junior et je fais des tagliatelles de courgettes que je remets dessus. Normalement, il faut les râper, mais j'ai trouvé que c'était plus marrant comme ça. Mon taille crayon, regardez. Lui, il est en promo en mai. Hein. En juin, je veux dire. Oh là là. Hop. Alors, donc j'ai mis l'équivalent d'une courgette à peu près. Oui, ils étaient en spaghetti aussi. Je suis avancée un petit peu, Joël. J'en ai fait avant l'ouverture de la vidéo. Ouais, tu peux mettre n'importe quel légume, ouais. Il sera à, je crois qu'il est à 20 euros. Je vais vous montrer les promos de juin après, en primeur. Voilà, donc, mon petit spiraliseur. Faire attention de ne pas mettre ses doigts parce que ça coupe. Alors, une fois qu'on a fait ça, on remet des ravioles. Voilà. Après, les petits bouts que j'ai coupés. Je les coupe normalement pour pas perdre. Voilà. Vas-y, Ludivine. Dessus, on remet des courgettes. Alors, moi, j'en avais des anciennes. Hein. Donc je les ai coupés en petits morceaux parce que avec le spiraliseur c'était pas terrible. Donc je me suis contentée de les couper en petits morceaux. Voilà, donc vous voyez c'est bien plein. C'est du fromage, moi, c'est des raviolis fromage. Hein. Mais normalement c'est, vous savez, les ravioles rana là qu'il faut prendre dans la recette. Mais moi comme j'étais à Lidl, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris des raviolis normaux. Hein. De toute façon c'est moi qui les mange, donc... Alors, ça c'est fait. Après, il nous faut un mélange. Je cherche un petit fouet. Alors, il nous faut de la crème liquide. Bon, celle-là, c'est de la semi-épaisse. Donc, je vais être obligée de mettre un peu de lait.
Voilà, je mélange. Oui, on peut l'enlever pour le laver. Sauf que j'ai pas réussi hier. Je l'ai lavé, mais j'ai pas réussi à bien l'enlever. Je vais mettre un petit peu de lait normal. Alors moi, j'ai mis une brique de crème liquide, une brique de lait concentré non sucré Gloria, parce que je l'avais pour la cuisine. Et je rajoute un peu de lait. Parce qu'il y a quand même les ravioles à cuire. Donc je rajoute un peu de lait. À ça, je mets du sel. Un peu de poivre. Ah non, on ne peut pas mettre les ustensiles de l'AdaptaChef spiraliseur sur celui-là. Hein. Celui-là, il est unique en fait. Alors j'ai mis du sel, du poivre, de la muscade. En fait, ça c'est un mini spiraliseur, comme vous avez la mini wrap qui vous sert, la speedy wrap qui vous sert quand vous n'avez pas envie de sortir l'AdaptaChef wrap. Là c'est le petit mini spiraliseur quand vous n'avez pas envie de sortir l'autre quoi. Alors ce mélange là je vais le mettre dedans. Je mets toujours les recettes en bas hein, dans les barres d'infos. Je vais rajouter un tout petit peu de lait. Donc faut mélanger, disons faut que tout trempe bien quand même dans le jus, c'est normal. Et on va finir en sortant notre speedy wrap, c'est pareil. La speedy wrap, il y a l'AdaptaChef wrap, mais ça c'est quand on a la flemme un petit peu de sortir la grosse. Voilà. Donc on va mettre un peu de gruyère. C'est tellement rapide. Non, il n'y a pas d'œuf. Ben dans la recette, j'en ai pas vu, moi. Non, j'ai pas vu d'œuf. En même temps, je pense pas qu'il y ait besoin d'œufs hein, dans cette recette-là. Il n'y a rien à lier, hein. C'est juste à cuire. Pâte à pizza. Oui, bah oui, c'est, je m'en doutais que c'était ça. C'est comme un gratin dauphinois, oui, même style. Sauf que c'est avec des courgettes et des ravioles. Et on va mettre un petit peu. Alors, je vais même, vous voyez, on peut même s'en servir comme ça. Je vais mettre un petit peu de parmesan. Vous voyez, on s'en sert tout simplement comme ça. Bonjour Sylvia. Alors, hop. Voilà. Après, on remonte l'appareil. On le bloque. Hop.
Voilà, donc je répète ce que j'ai mis. Oui, tout à fait, on peut le mettre dans le 2 litres. Hein. Je répète ce que j'ai mis. Donc au fond, j'ai mis des oignons. Deux petits oignons. Après, j'ai mis une couche de courgettes que j'ai spiralisée. Non, c'est pas de la pâte à pizza, c'est comme de la pâte à comme de la pâte à brioche. La tarte au sucre. Donc, je répète. Des oignons, des courgettes, des ravioles, des courgettes. Non, attendez. Des oignons, des courgettes, mes lardons, des ravioles. Des courgettes, des ravioles, des courgettes, un peu comme les lasagnes. Après, un mélange avec, bonjour Nicole, avec de la crème liquide. Normalement, il faut 500 ml de crème liquide, mais moi, j'ai mis un peu de crème liquide, un peu de lait concentré, donc sucré, et du lait normal, que j'ai mélangé, salé, poivré et de la muscade. Et j'ai mis du fromage dessus. Et puis, donc, on ferme le couvercle et on fait cuire à 220 degrés. Pendant, alors normalement c'est 25 minutes, mais bon, à surveiller selon votre four. Alors attendez, je me débarrasse un peu, parce que moi je ne vais pas le mettre à cuire tout ça tout de suite. Je vous montrerai le résultat sur... J'ai oublié de faire ma photo hier, hein, de mon gratin. Mais vous l'avez vu en direct, donc... Alors, je vais ramener 2-3 bricoles, là. Et je vais vous chercher les promos de juin. Me revoilà. Alors, en juin, c'est un beau gâteau comme ça. Parce que les hôtesses qui font des ateliers virtuels, ils ont en cadeau les deux moules Molly Cake pour pouvoir faire des beaux gâteaux comme ça. Et ils ont le livre et le sépare par. Et les deux premières semaines, jusqu'au 7 juin, ça commence du 25 mai, c'est-à-dire pas ce dimanche-là, l'autre d'après, du lundi d'après, 25 mai au 7 juin, ils ont en plus le ça. Donc si vous souhaitez... si vous souhaitez faire une réunion virtuelle, vous aurez ça en cadeau jusqu'au 7 juin. Après, là, vous avez la recette du petit gâteau. Alors, pour les hôtesses, ce que je vous disais, mon ultra pro que je viens de me servir, regardez le prix, 39,90. Et vous avez l'ultra, le micro Urban Family, à 99,90 €. Il est avec son livre. Et ça, c'est pour les hôtesses, hein, pareil. Ok. Après, pour les clientes, le Speedy Chef 2, toujours, le livre, et le grand retour du moule à brioche. Le moule à brioche, le grand retour.
Après, de l'autre côté, vous avez le spiraliseur junior. Vous avez le clic série 2, c'est-à-dire ce qui va avec le 1, c'est-à-dire que la petite spatule, tout ça en 2. Vous avez les condisserves souples, là. Et vous avez la Speedy Mando. Le chien, tu te tais, s'il te plaît. Pour les clientes à moins 20 euros, vous avez l'Ultra Pro 5 litres et le Micro 3. Le Micro 3, je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là, c'est un vieux produit qui est revenu. Hein. Le Micro 3, avec son nouveau livre, par contre. Le livre est tout nouveau. Le Micro 3, il revient, mais le livre est tout nouveau. Après, vous avez la nouvelle bouteille Isogo 300 ml. Très pratique pour toi. Alors, celle qu'on connaît, c'est la 420 ml. Maintenant, c'est la 300 ml qu'ils ont sorti. Là, un set avec 4 pailles, un goupillon et une pochette à 27 euros au lieu de 30. Vous avez un sac pique-nique à 29,90 €. Et vous avez des boîtes hermétiques et étanches Optimum Glass à 42 euros. Après, vous avez des livres. Et en cadeau, vous avez une éco-bouteille de 90 ml qui peut servir pour vos enfants ou qui peut servir pour vous mettre des épices dans votre... mettre vos épices dans le, comment ça s'appelle, dans la cuisine. Dès 49 euros, vous pouvez avoir deux lunch box à 5 euros. Et après, dès 59 euros, vous avez sans rajout d'argent les trois éco-bouteilles avec la boîte à sandwich. Et ça peut vous servir, c'est pareil, pour vos épices. Voilà les promos. Je vais vous les mettre sur internet, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi. Alors attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était en ligne. Je suis dans les colis en ce moment. Et il y a une personne que je n'arrive pas à voir. Alors, où est-elle? Attendez. Ah bah oui. Monique, es-tu là? Il me semble que je t'ai vu, Monique. Est-ce que tu es présente? Oui. Peux-tu me faire un message privé ou sur mon numéro de téléphone un SMS? J'ai besoin de savoir où je te livre ton colis. Ou si tu as envie de faire une commande en juin, est-ce que je te l'envoie tout de suite et est-ce que je le garde? Mais je n'ai ni numéro de téléphone et le mail que j'ai ne fonctionne pas. Et j'ai trouvé un autre numéro de téléphone et on m'a dit non, c'est pas Monique. Donc, je suis en suspens avec ton colis. Donc, je me suis dit que, comme j'allais peut-être te voir pendant le live, je te demanderai à ce moment-là. Donc, tu me fais un message privé sur Facebook. D'accord, merci Monique. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que la recette est finie, hein, quand même. Alors, il y a plein de trucs qui se plaisent, Joël. Super. Bah, tu reviens voir Sylvia. Oui, il n'y a pas de problème.
ils mettent la pâte à pizza. Mais je pense, Stéphanie, que c'est une pâte à brioche, hein. Moi, j'ai une recette, c'est une pâte à brioche, en fait, qu'ils font. C'est une pâte à pain améliorée brioche. C'est pas grave, t'inquiète pas. Oui, je pense que ça doit être très bon. J'ai jamais essayé la recette. On verra ce soir. Ce qu'on peut faire dans l'Ultra 21, sachant qu'il chauffe. Bah oui, j'avais pas vu l'Ultra 21. Oui, si t'as l'ancien, oui, pourquoi pas. Oui, tu peux prendre le moulin universel pour faire de la. Du truc, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon. Je mettrai la recette toujours en barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez la recette. Vous avez mon atelier virtuel si vous avez envie de vous faire plaisir et commander quelque chose. Après, vous avez mon lien pour aller sur Martine Tupperware si des fois vous n'y étiez pas encore. Et après, vous avez la recette. Alors, tu as posé ta question. Car j'ai vu que les cônes, on pouvait l'enlever pour le laver. Oui, on peut l'enlever pour le laver. Moi, je n'ai pas réussi, mais on peut. Et les autres, non, ils ne s'adaptent pas. Il me semble que je t'ai répondu tout à l'heure. Alors, le spiraliseur, comme je viens de vous le montrer, il est à 20 euros. Et on peut mettre n'importe quel légume. Hier, j'ai fait des pommes de terre. Aujourd'hui, des courgettes. Tu peux mettre des carottes. Tu mets un peu ce que tu veux, en fait. Donc voilà, je pense pas que j'ai loupé autre chose. Voilà. Sur Petit Chef. Oui, mais moi j'ai trouvé aussi la recette de la tarte au sucre. Alors attendez, je vais vous dire la recette que j'ai. La tarte au sucre, moi j'ai. Mélanger la levure avec le lait chaud. Après, on rajoute la farine, le sel, deux œufs, du beurre fondu, du sucre et du lait. On mélange tout. Et après, on rajoute la levure. On fait lever. On met dans un plat à tarte et on étale avec la main. C'est pas la peine que ça soit très truc. On fait encore un repos. On ajoute du sucre dessus et des morceaux de beurre et on met au four. Moi, c'est la recette que j'ai. Et je pense qu'on peut le faire dans le. On peut la faire dans le moule. Je pourrais vous en faire deux dans les moules à Molly Cake, éventuellement. Pour que vous voyez la taille du truc à Molly Cake. Alors, la semaine prochaine. Vous avez cru comprendre que mon fils me déménage samedi. Donc samedi et dimanche, ça va être le gros bazar. Donc la semaine prochaine, je vous ferai comment ça s'appelle? Des recettes, mais un jour sur deux. Sauf samedi dimanche, que je vous en ferai une, bah, l'autre samedi, hein, le 23 et le 24 mai. Je vous ferai samedi dimanche normal, comme il y a tout le monde, ça tombe bien. Mais par exemple, lundi, je ne fais pas de recette. Mardi, le diamètre des moules à Molly Cake. Alors attends, je vais te dire ça. Alors, ils sont comme ça, les moules à Molly Cake.
Et le diamètre intérieur, c'est un petit 17 cm. C'est-à-dire que normalement, on fait un gâteau, un autre gâteau, un autre gâteau, et on met l'un sur l'autre. Mais on peut faire une tarte au sucre dedans, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Bah, c'est-à-dire que là, vous ne les achetez pas. Là, c'est si vous faites un atelier, on vous les offre. D'accord ? Alors, si vous ne voulez pas faire d'atelier, mais que vous récoltez des commandes autour de vous et que vous en avez pour 210 euros, on fait un atelier et je vous les offre. D'accord ? C'est comme les petits moules. Ce mois-ci, si vous voulez faire récolter 210 euros de... On peut même faire un cookie, ouais. Si vous récoltez... À partir du moment où vous récoltez 210 euros, vous n'allez pas sur mon atelier virtuel, vous me faites un message privé, vous trouvez 4-5 copines qui ont envie d'acheter des tubes, qui n'ont pas envie de se prendre la tête en atelier... Pourquoi pas? Vous les invitez à venir voir mon live, parce que comme ça, ça leur donnera des idées quand même. Mais si vous avez des copines... Ah bah ça, quand ils seront en vente, je sais pas. Peut-être au mois de juillet. Et ça va dépendre, peut-être qu'ils vont les mettre en vente tous les deux, ou peut-être qu'ils les mettront en vente un après l'autre. Ça, je peux pas savoir. Demain, on va se servir de ça. On va faire des petites brioches. Vous savez, des brioches que l'on creuse et après on met un œuf dedans. Ça peut être sympa. On fait des brioches mousseline demain. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Tout à fait. Si vous atteignez 210 euros, je peux vous donner les cadeaux ateliers. Mais il ne faut pas que ça soit deux commandes différentes. Il faut que ça soit un seul mois. Vous achetez un micro pro, par exemple. Si ce n'est pas... dans le même mois et que j'ai les trucs, parce que des fois je les ai pas forcément, parce qu'il faut prévenir, faut me prévenir pour que je puisse les avoir, parce que sinon je les récupère pas, moi. C'est pas moi qui les fournis, hein, c'est Tupperware. Donc en ce cas là on fait une commande. Si vous voulez avoir les cadeaux ateliers vous toute seule, on fait une commande qu'à vous. Ouais, elle était de 160. Seulement, c'était quand... Ah bah les Danettes, c'est peut-être parce que t'as pas mis le... Comment ça s'appelle? La gélatine quand c'était bien chaud. C'est quand que t'as fait ta commande, France? Je sais plus. Oui, toi c'était... Oui, je viens de la recevoir. Ouais, mais il aurait fallu... Ouais, non, non. Déjà, pour avoir le cadeau, il te manque 50 euros. Mais éventuellement... éventuellement, si tu fais 50 euros de trucs avant la fin du mois... Je peux t'offrir les 4 Ramka. Il faut que ça fasse 210 euros pour que je puisse les avoir. Ça se déclenche que si vous faites 210 euros. Je sais, mais le problème, c'est que si vous vouliez
Le cadeau, si vous vouliez le cadeau, il faut me le dire avant. Parce que sinon, si je le fais pas à part, moi, je les ai pas, ils vont m'en donner qu'un. Ils vont pas m'en donner quatre. Il faut que je fasse des commandes à part pour avoir les petits cadeaux à part. Et Patricia, je pense qu'on n'a pas fait des cadeaux à part. On a fait, vous avez plusieurs commandes. Parce que moi, je peux pas Ben, vous saurez pour le mois prochain. Je vous mettrai un petit cadeau quand même. Vous inquiétez pas. Hein, je mets des petits cadeaux supplémentaires dans les colis, en principe. Hein. Mais quand vous souhaitez avoir le cadeau hôtesse, eh ben vous, et que vous savez que vous allez avoir 210 €, vous me faites un message privé. Et pour les prochaines commandes, comme ça, vous saurez. Et puis, je peux vous les... Je vous le faites à part. Quitte à mettre, si vous êtes toute seule à commander, au revoir à ceux qui partent. Si vous êtes tout seul à commander, quitte à vous mettre plusieurs personnes de votre famille pour que vous ayez un atelier avec plusieurs personnes, quoi. Et comme ça, vous pourrez avoir les cadeaux, atelier. Ce n'est pas moi qui les ai, hein, ça vient de quand ils me livrent. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous, à demain. Il n'y a pas de gélatine dans les... C'est quoi que tu as fait les... Les danettes? J'ai pas fait de danettes, moi. Faites-moi MP. Parce que j'ai pas fait de danettes, elle me sent pas. C'est des flambis que j'ai fait, mais j'ai pas fait de danettes. À demain!